J'aime toujours Emmetil. Haïti dictature, l'appel des sentiers. Haïti démocratie, la république des coquins. Seul volet au caprété qui vivra, verra, qui mourra, kakara. N'a pas fait place à voix de l'Amérique pour ces formations nationales et internationales. Rendez-vous cassé dans un petit temps qui n'est pas trop long. Des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à travers la résolution 2692, ils ont voté sans manquer, donc à l'unanimité, pour renouveler le mandat BINU pour une autre année résolution à tout soutenir une force multinationale qui non onusienne qui pas en bas à l'obédience l'ONU. Sandra Lemaire, gain détail. Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité pour renouveler mandat Bureau intégré des Nations Unies pour Haïti à BINU pour une année qui donc jusqu'à 15 juillet 2024. Après vote la vendredi 14 juillet, Linda Thomas Greenfield, représentant permanent États-Unis dans le Conseil de sécurité, a été déclaré. BINU continues to be a positive force in Haïti. Les BINU continuent à représenter une force positive en Haïti. Ils continuent à appuyer la police nationale haïtienne et puis faire face avec la violence gangue qui a tracassé le peuple haïtien depuis longtemps. To the Haitian National Police through deployment of a specialized force. Résolution encourager États membres pour appuyer l'effort police nationale Haïti a fait pour augmenter sécurité dans le pays à travers déploiement aux forces spécialisées. Ça reconnaît appel Haïti lancé plusieurs fois pour demander communauté internationale la assistance. Représentant permanent Ghana dans l'ONU, Harold Aguilleman te prend la parole dans nos Sayurele A3, qui c'est Ghana, Mozambique et Gabon, pour dire. While the resolution may not have responded fully to all the immediate needs of the Haitian people. Tandis que la résolution n'a right peut-être pas répondre complètement à tous les besoins du peuple haïtien dans l'immédiat, l'a fait ou pas dans la bonne direction pour permettre toute partie prenante de joindre un accord pour permettre le processus politique démocratique d'avancer. Ambassadeur haïtien dans le conseil-là, Antonio Rodrigue, te prend la parole tout. La violence des gangs. Le contexte en Haïti n'a pas changé. Le quotidien des Haïtiens est toujours marqué par les enlèvements, la violence des gangs, l'augmentation des besoins humanitaires à travers tous les départements du pays. Selon les enquêtes des organisations de droits humains, pas moins de 563 personnes ont été victimes de morts violentes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour le premier semestre de l'année 2023. Plus de 260 personnes ont été enlevées de leur domicile ou dans des lieux publics. Aujourd'hui, en Haïti, tous les regards sont tournés vers cette importante réunion du Conseil de sécurité. BINU gagne une mission politique et spéciale que le Conseil de sécurité a établie dans la résolution 2476, 25 juin 2019. Là. Il a été déployé bureau A en bas chapitre 6, Chat Nations Unies. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Merci Sandra et secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, gagné 30 jours les mêmes pour le produit yon rapport par rapport à la situation ça. Et puis l'autre point d'actualité au niveau international et qui gagne rapport avec Haïti, et bien c'est les deux pays Caraïbes qui rencontrent avec président commission et conseil européen pendant yon rencontre au sommet pays Amérique latine. Yon t'es assisté dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, jeudi lundi 17 juillet. Plus passé 50 leaders, parmi eux, Premier ministre Ariel Henry, que nous parlons là, il a participé dans la rencontre Union européenne, dans CELAC, qui a duré 2 jours. C'est la première fois depuis 8 ans que ce sommet a déroulé. Union européenne espérait renouveler le lien avec la région. Tant que nous sommes capables là, Premier ministre Ariel Henry, lui-même, qui a salué leader européen. Et cependant, discussion sous communiqué sommet a mis lumière sur différence qui existait entre leaders et sous façon pour faire face à la guerre en Ukraine et puis où l'Europe capable de jouer dans la question et esclavage. Donc, Premier ministre Ariel Henry, on l'autre fois encore, de York, et il a participé dans la réunion CELAC. Et puis, dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Pétionville, il y a une manifestation pour réclamer libération Pierre-Louis Aupon, yon ancien président conseil électoral provisoire et qui c'est madame yon journaliste, et bien li embamé kidnappé yon reportage ou nan Toussaint depuis Port-au-Prince. Donc nous voulons dire lycée madame Marie Lucie Bonhomme.
Sous initiative SOS Journalistes et Association Journaliste Haïtien AJH, plusieurs patrons médias et journalistes, parmi eux Liliane Pierre-Paul, Mavel Dandin, et dirigeant droits humains Pierre Espérance, dans le cadre du marche pacifique, fait rond place Saint-Pierre-Pétionville pendant le week-end pour réclamer libération ancien président conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupon, qui en bas main kidnappé depuis mardi 20 juin 2023. Youn après l'autre, Joseph Guilherme Delva pour SOS Journaliste et Jacques Desrosiers pour AJH. L'agent au monde, il faut mieux rien comme ça pour le bail. D'abord, de libérer Pierre-Louis Aupon pour lever une famille. L'agent acte humanitaire, parce que je suis malade. Et nous avons des abats kidnapping. Madame Liliane Pierre-Paul et Mavel Dandin, en solidarité avec journaliste Marie-Lucie Bonhomme, qui c'est Madame Monsieur Aupon, quoi c'est un impératif pour aviser vous libérer otage là. Il faut tout lever campé, nous ne pouvons pas tolérer ce genre de situation. Pas grand-chose qui a droit pour priver pour priver monde de liberté. Et puis en plus de ça, fin priver de liberté, la fin pour vous prendre toute salle pour vivre, toute ressource. Ça c'est inacceptable. C'est pour nous. Dans tout secteur, mobiliser pour nous croiser. Et nous devons, dans la limite possibilité, nous faire ça, nous devons faire. Et nous devons, autant que nous sommes capables, porter l'État, toute instance d'État, prendre responsabilité. Bon, on parle, Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau National Défense de l'Homme, RNDDH, qui a participé dans le match ça, rappeler que l'insécurité et le kidnapping, non, c'est un phénomène généralisé. Les dix autorités et le peuple doivent assumer la responsabilité. Il n'y a pas aucune possibilité pour les bandits aussi arrogants dans le pays sans parler de complicité. Nous avons besoin, je ne veux dire, nous capables de dire l'État a abandonné la population. Ce n'est pas normal. Pour les gens qui sont dans le pays, il y a eu tout le monde qui est avec le fonction et puis il a abandonné la population. Pendant ce temps, Mme Pierre-Louis Aupon, Marie-Lucie Bonhomme, dit par rapport à Granson kidnappé, réclamé, famille fait ça le capable. Il fait ravi, c'est qu'on connaît, il n'y a pas de l'argent. Il m'a dit, il t'en prie, il a dit Marie pour lui, puisque il est un monde malade. Granson que vous m'avez dit, exigence que vous faites, nous pas capables. Nous pas capables, il n'a pas mis pour nous, nous pas de moyens ça. Moi-même, je dis ravis à ça, et je dis à travers nous-mêmes, journalistes, je dis nous ça que nous, je dis ça que nous, pas de moyen ça. Nekam, yo te débarqué kay famille au pont, yo crasé, brisé, et puis kidnappé Marie-Lucie Bonhomme, yo semaine avant, yo kidnappé Marie-L. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. L'autre point d'actualité à concernant pays d'Haïti, il y a une organisation haïtienne GA qui fait constat situation haïtienne qui vivent en République dominicaine et il publie tout un rapport sur déportation dans Saint-Domingue. Déjà François gain détail depuis Santo Domingo. Chaque jour dans pays Saint-Domingue, c'est pas pile et paquette que la police ak agent immigration a traqué, arrêté n'importe jour ak n'importe là et ou même arrivé rentrer dans quelque caï haïtien, mettre ou dans prison et faire ou bay gros l'argent pour libérer yo ou bien si ou pas gen corps déporter yo. C'est pour ça gen plusieurs organisations qui défendent réfugiés qui basé sous frontière haïtien dominicain pour défendre immigrants haïtiens yo et produit rapport sous condition ak façon déportation yo ap fait. GA qui c'est groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés qui c'est organisation k'ap défend droit moun k'ap défend droit réfugiés yo sous frontière toujours dénoncer violation droit immigrant yo nan jan déportation yo ap fait là. Monsieur Samuel Guillaume qui c'est responsable communication GA a expliqué. Travail nous fait que nous présents sous frontière là, nous gagnons agents qui sous frontière là dans point officiel yo et gagnons tout qui dans point non officiel yo. Ça permet que nous gagnons détails sur rapatriement qu'a fait yo, sur violation droit monde qui gagne dans façon rapatriement yo fait. Ça permet nous gagner éléments d'information tout sur façon haïtien yo à vivre en République dominicaine, comment yo traité yo qui maltraitance que vous subissez, qui violation droit monde que vous subissez. Et nous sortons un rapport chaque mois pour nous bailler d'éléments, de chiffres sur
traitement que les migrants haïtiens ont connu en République dominicaine. Pour mois de juin, gare comptabilisé environ 20. Disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons aucune chaîne de mariage, population avec la police fait. Nous avons lancé opération Boakale Wash Maman. Gaye Kaka Bandi. Haïtien immigration dans pays Saint-Domingue voye tourner Haïti. Rapport continue ak bilan pour 6 premiers mois dans l'année 2023, c'est un gros record autorité dominicaine yo fait parce que gen plus que 185,310 moun que République dominicaine pimpé tourner Haïti. Chiffre ça gen tan dépassé largement large quantité moun yo te voye tourner pour toute année 2023. Luis Abinadel qui c'est président République dominicaine toujours fait qu'on est dans toute intervention la fin de la presse sous question immigration, il dit que li fait carré déporter haïtien qui dans situation irrégulière yo, que communauté internationale a pas besoin compter sur République dominicaine pour porter coller à situation Haïti ya. A rappeler yo haïtien qui gagne visa dominicain, li doit passer 29 jours seulement dans pays Saint-Domingue. Après ça, faut la checker, sinon la illégal, la police ak immigration ka arrêté le voyer le tourner dans pays d'Haïti.
C'était Dejean François depuis République Dominicaine pour VOA Créole. Oui, on va suivre le programme ça dans langue créole haïtien. Et actualité internationale, go inondation frappée Corée du Sud. Serge Michel, gain détail. Corée du Sud en bas inondation après des semaines, côté la pluie a tombé à l'évini, côté pour pipiti, 41 moun perdit la vie pour qu'on y a, côté circulation très crampée à cause d'inquiétude comme quoi fondation route très au cas faibli, et côté des milliers moun a pas ramassé sa tempête la quitter, madame météo prévoit plus la pluie toujours. Président Yoon Suk Yeol qui fait tourner la Kaili jeudi lundi après environ en Europe quand elle était présidée. Yon réunion pour urgence passée autorité au Lod pour désigner quelques côtés comme zone désastre. Il fait tout effort pour supporter service secours régional avec tout travail pour rebâtir côté qui crasé. Yon reproche tout gouvernement local comme quoi il aurait été nachit à garder. Et la gestion responsabilité pour l'embord plus passé yon douzaine moun en bas yon tunnel qui inondé dans ville Chongchu, dans province nord Chongchong. Inondation sans attendre en fait, Léon Coquin délige d'écrasé en 10 kilos pour barrer de l'eau l'en mer, d'après autorité. Secouriste rallie pour Pipiti, 14 cadavres, même pendant l'équipe secouyo, a fin ou été de l'eau en bâtiment là. Bonne matin. Merci Serge François Michel. L'autre point dans l'actualité internationale, l'administration américaine n'a pas Ukraine garantie la continuer supporter dans la guerre contre la Russie à mener. Et même Jean les dit dans l'OTAN. Eh bien, Jean-Robert Philippe, quel détail. Administration Biden a souligné dimanche 16 juillet à support la baye gouvernement Kiev là toujours diam. Soldats ukrainiens ont publié vidéo jeudi passé pour montrer les efforts qu'ils ont fait pour défendre le territoire qui en bas attaque la Russie. Dimanche 16 juillet, conseiller sécurité nationale, la Maison Blanche, Lan, Jack Sullivan, très bonne question pour connaître si oui ou non, guerre arrivée dans une impasse. Monsieur Sullivan, très bonne question, dans émission chaîne télévision américaine ABC This Week. Côté lui déclaré. You're seeing Ukrainian forces, in fact, make progress both in the east and the south. We said before this counteroffensive started that it'd be hard going. And it's been hard going. That's the nature of war. Déclaré avant que l'attaque ait commencé que il est capable difficile, c'est naturel la guerre, mais Ukrainien est capable de continuer à avancer dans la direction de l'Ukraine. M. Sullivan souligne l'administration pour engagement pour que l'Ukraine ait besoin de l'Ukraine. Le ministre américain Janet Yellen qui a visité un palais de l'autre mesure pour faiblir la belligérance là aussi. We will also continue to cut off Russia's access to military equipment and technologies to empêcher la Russie d'avoir accès avec équipement militaire avec technologie pour continuer la guerre contre l'Ukraine. Un objectif principal nous à ça c'est pour combattre les efforts la Russie a fait pour éviter sanctions. Pendant le sommet de l'OTAN, dans Vilnius, pays membre alliance militaire a campé avec l'Ukraine malgré ne pas offrir une feuille de route claire pour faire partie de l'alliance. Yann Brzezinski, analyste politique étrangère dans le Conseil Atlantique, a parlé pour dire. Well, let's not underestimate what the Ukrainians did get out of this. First, they got the continued endorsement of support through commitment to long-term security assistance, provision of military equipment militaire avec munitions, net alcoolé. Mais pour support ça a arrêté jam, même l'OTAN doit améliorer contribution d'après sénateur républicain Dan Sullivan qui a participé dans le programme chaîne télévision NBC Mid de presse. It's undermined the sustainability of NATO when only 7 of 31 members of NATO currently meet their 2% of GDP obligation for defense spending. Et puis même alliance militaire qui disposait 2% produit national brut pour dépenser dans la défense. D'après moi-même, moi considère comme une possibilité pour miner non seulement support pour l'Ukraine à court terme, mais tout à long terme pour l'OTAN. Cependant, le président Joe Biden t'a fait remarquer le clair sur une passée, Ukraine pas besoin de tendre pour le membre de l'OTAN avant pour recevoir assurance à long terme sécurité. Le président Biden t'a préféré avec nouveau cadre, 7 pays membres qui pire sur planète a été révélé sur une passée, qui l'ouvre route là sous façon pour discuter besoin Kiev gagné pendant et après la guerre. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert, n'a prêté toujours ici aux États-Unis côté yon loi dans l'État Floride permettre moun posséder des armes sans problème. Et journaliste Jude Deonstrit parlé avec quelques membres communauté haïtienne sous loi ça.
Équipe VOA Creole dans l'État Floride, retrouvé le jeune Jodia dans la ville de notre Miami. Nous venons rencontrer avec divers Haïtiens dans la communauté qui d'accord pour bay opinion concernant plus facile que lié pour monde capable gain accès à ZAM dans l'État Floride depuis 1er juillet 2023. Li officiel depuis 1er juillet 2023, État Floride, c'est 26e État dans le pays américain qui a adopté loi qui fait le plus facile pour citoyens acheter ZAM. Depuis ou gen 21 l'année, ou résident dans l'État Floride, ou pas besoin permis l'État, ou pas besoin background check, ni tout, ni pas nécessaire pour prendre training pour acheter ZAM. Yon 7 application et 3 jours plus tard, ou autorisé pour marcher avec ZAM ou sou, pour protéger tête ou. Député Marie Woodson, qui était là, les lois t'a voté, a bail plus d'informations. Exactement. Loi ça tout son loi que m'pas de voter pour lui. M'voter contre lui. Et son loi tout que tout le monde supposé connaître et m'ta conseiller sou gen ti famille parler avec yo tout, di yo pa lan joure avec moun, pa nan batè avec moun parce qu'on y a gon loi qui passé pour n'importe moun ka aller à chon revolver, yo pa besoin training, yo pa besoin background check, ou pa comprendre yo pa besoin faire ken recherche pour sou yo pour yo wè que yo pa doué gen zam sou yo. N'importe moun ka son zam depuis bilare le conceal carry depuis nan pas yo pa ka wèl yo gen droit poter. Loi ça pas bon du tout parce que même moun ki pa doué, par exemple moun ki yo ta arrêté déjà ki pa doué gen zam, qu'on y a tout facile pour le gon zam even do que le pa doué pour tes zam nan. Nous virons, nous te fait dans ville notre Miami pour nous prendre réaction dans la communauté haïtienne. Non, plus fort haïtien, pas voulait parler avec nous concernant dossier si là. Sous 7 haïtiens que nous te croisé dans ville notre Miami, c'est deux là-dedans qui étaient d'accord puis ont réagi. Pour moi-même, c'est une très mauvaise décision qui pas mettre société à son point d'égalité parce que même une qui pour des amnan, faut mettre sur un point côté que pour pas prêt pour harasser aucun autre monde pour le faire comprendre en termes d'adulte parce que l'égal est senti une supériorité de moi-même. Moi-même, je connais une infériorité parce que moi-même, c'est parole seulement que m'a bien. C'est sûr que je ne vais pas prendre la discussion avec le monde. C'est que je m'a toujours entendu. Beaucoup de gens, c'est une bonne parole de tout groupe là, qui dit donc, ok, son non-sens lié, et puis nous sommes capables d'accord, parce que sa sécurité nous vient, tout vient très fragile. Et puis donc, nous souhaitons que toute population hein, fait pour que les dirigeants comprennent que nous pas d'accord pour qu'on retirer parce qu'il n'est jamais trop tard. Non Pam, c'est Jude Ronsre pour VOA Creole, North Miami, État Floride. Merci Jude et au toujours sur VOA Creole, on suit un programme dans langue créole haïtien. Haïti dans Coupe du Monde FIFA 2023. Mesdames Grenadiers, vous avez fait l'histoire. Vous avez roulé ballon, vous avez fait goal souterrain dans le stade football dans le pays Australie. VOA Creole a sous place avec deux envoyés spéciaux, Gentil Junior Augustin, Valerio Saint-Louis, pour faire nous vivre en direct, live, et puis faire reportage sur qui, Jean Mesdames Sélection Football Haïtien, vous avez avancé dans la Coupe du Monde. Branchez VOA Creole pour toute dernière actualité. Information sous championnat Coupe du Monde Football Femme sous place depuis Australie. Et oui, pas de mentir dans ça, branchez VOA Creole, vous êtes capable de gagner toute information, non seulement sur sélection haïtienne, mais nous avons bonne information tout sur l'autre équipe. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons présenté au groupe H avec Sandra Lemaire. Groupe H là, gagne la donne deux anciens champions. En parlant de Allemagne à Colombie, ensemble avec Corée du Sud et puis Maroc, qui a participé dans Mondial Football là pour première fois. Allemagne prend roule les ballons avec Maroc dans premier match le 24 juillet dans ville Melbourne, Australie. Sarah Debritz s'est joué mi-temps Allemagne. Il dit bien entendu, rêve là, c'est remporter le mondial là. Nous connaissons un pile équipe favori à Nessa et un pile équipe qui a un potentiel pour yo goumer pour prendre couple là. C'est peut-être ça, on a profité tant de préparation pour nous bien préparer pour tout noir. Et nous parler étape par étape. Et bien entendu, nous espérons tourner la caille nous avec couple là. Colombie lui-même pourrait le faire face avec Corée du Sud 25 juillet dans Sydney. Après ça, Allemagne va faire face à Colombie dans le deuxième match li, avant les finis match groupe H-Lio contre Corée du Sud. Deux équipes qui qualifiées pour y avancer après phase groupe là, va rouler ballon avec équipe qui sortit premier avec deuxième dans groupe F là. Groupe ça, il la donne la France, Brésil, Jamaïque et Panama.
Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington. Donc, mes amis, restez branchés sur VOA Creole pour capable gagner toute information sur Mondial Football féminin qui a déroulé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis, n'a pas parlé musique, groupe populaire haïtien Zafem, qui a présenté spectacle dans Boston pendant le week-end. En plus, haïtien te répond présent, Erlich Dorilas. Après New York City, Philadelphie, Boston, c'est la troisième ville qui recevra performance groupe Zafem. Depuis 4h45, dans l'après-midi, jusqu'au dimanche 16 juillet 2023, Organisatech t'a organisé soirée avec groupe musical Jafem, qui c'est Hit Entertainment, t'es prend disponibilité pour soirée à te démarrer sans aucun problème. 8h30 PM, malgré la pluie qui t'a tombé, devant Club Royal d'Abostonwan, t'es guettant chargé avec Fanatic. 9h du soir, Organisatech t'a commencé à faire mon entrée dans le club là, malgré si on ligne qui t'a marché doucement à cause du comportement agent sécurité Club Royal là. Yon comportement qui était la cause, quelques frustrations, la cas quelques fanatiques qui étaient obligés à aller la caillou. Musicien, groupe Zafem yo, pas de vie avec la presse après soirée. Dans même soirée si là, Hit Entertainment déjà annoncé.